Donc on va parler de repères en trois dimensions. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du repère en deux dimensions. Repère en deux dimensions, c'est finalement sur du plat comme on a là, où vous avez un axe, généralement on l'appelle X. Vous avez un axe qu'on appelle Y, avec une graduation, ici c'est 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Et la graduation dans l'autre sens, verticale, je vais avoir 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Donc jusque-là, on peut facilement placer un point, par exemple. Si vous aviez un point, je peux voir un crayon vert ici, à placer, que je vais mettre ici. Ce point avait pour coordonnée 2. On commençait toujours par l'axe horizontal dit l'axe des abscisses, 2, point virgule, et puis sur la partie haute, on était à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une coordonnée. Le point A, par exemple, A pour coordonnée 2, 1. Ça, c'est valable en deux dimensions. En trois dimensions, on a rajouté une profondeur. Alors, je le mets comme ceci. Donc 8 heures. Hop, et puis 8. Donc ce axe là on l'appelle généralement Z, et on va pouvoir dire par exemple que ici, alors j'ai décidé de le mettre dans le sens là, j'aurais décidé de le mettre vraiment dans l'autre sens, hein. De manière surtout à avoir quelque chose de perpendiculaire à cet endroit. En fait, c'est un peu comme les trois os de la main, quand vous êtes comme ça. Vous avez votre axe qui est ici, et un troisième axe qui est en biais. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Vous avez vraiment une représentation. Le principal, c'est qu'on ait tous le même axe, qu'on sache tous à peu près comment on va fonctionner. Et après, on peut décider, une fois qu'on s'est mis d'accord, où se trouve une planète dans l'espace, où se trouve quelque chose en trois dimensions. Vous avez les fabricants de véhicules, par exemple, ils utilisent des logiciels comme AutoCAD, qui font ce genre de choses. Alors moi, je vous ferai une vidéo, vous allez voir sur GeoGebra, vous avez GeoGebra 3D, qui nous permet de faire ce genre de choses. Donc, sur ce plan, sur cette feuille, ici, quand on est à plat, on ne se sert pas de la profondeur, ce qui fait que la troisième coordonnée, ça va être 0. Mais par contre, si je décide de faire ce point-là, 1, moins 1, ça m'amène ici, mais que je recule, c'est-à-dire pour revenir dans ce sens-là, pour m'occuper de ce point-là, et bien en fait, ces coordonnées de ce point B, ça va être quoi? Ça va être 1. Moins 1 sur l'axe horizontal vertical, et sur la profondeur, je serai revenu un pas en arrière et je serai sur moins 1. Donc ça peut vous aider par rapport à la feuille d'exercice que je vais vous donner, que l'on va faire, hein, qui, alors est-ce que je l'ai là? Oui, est ici. C'est utiliser les outils numériques, et donc on est sur la page 69. Bon courage!